Bonjour tout le monde, c'est la première fois qu'on monte à bord, pas bon, c'est là avec nous, pas oublier. Avant d'aller, il y a un bouton rouge, subscribe en bas, apaiser, vous capable de connecter avec nous. On va apaiser cette cloche là pour capable de joindre toutes notifications de tout ça qu'on a partagé. En fait, l'information que nous avons, c'est que Donald Trump, justement, voyait avertissement par leader au niveau du champ de Sénat, Mark Comer, à propos de sénateur, un pays sénateur républicain, qu'elle pensait qu'il pas loyal. Il dit qu'il n'est pas solidaire. Peut-être qu'il n'est pas défendu. Ça vous comprendre que l'ensemble des sénateurs, c'est difficile. En fait, pour Donald Trump, pour le sentir bien, il faut que le sénateur Saoud a dit, bon, ce n'est pas un problème, pas rien, le fait que Donald Trump mandé à un président de l'autre pays pour lui faire investigation sur adversaire. En fait, c'est le sénateur qui a senti bien. Mais pour un sénateur, c'est un problème. Parce que vous connaissez que... Ça n'est pas normal. Donc, il n'y a pas qu'à ouvrir bouche pour dire bah, ça. Et il y a des sénateurs qui pourront dire exactement qui position il a causé ça. Et donc, il y a un avertissement à travers ma connaître pour dire attention, eh bien, il y a un frappé Mounsaou fort. Comment ça t'a dit dire à la base, il côté Mounsaou, parce que le gars Mounsaou, bon, à la vérité, Donald Trump, au sein des républicains, il y a une popularité. Donc, il dit, il a fait Mounsaou, pas bon dans l'élection, pas venir, si Mounsaou, pas mettre en ligne. C'est comme quoi il demande pour arranger, rester derrière elle, à quelque soit, à toutes conditions. Donc, c'est vraiment difficile, ça l'a demandé. Et maintenant, Trump, nous connaissons, qui était vraiment lettre, bah, Chambre des députés, a vous dit, bon, quitte le fait travail, il faut focus sur job, le président, bah, impeachment ça, ça prend temps, ça va empêcher le faire la présidence, il parle là-dedans. Pas couper le fin, ok, ça le voulait dire. Et en fait, c'est un dossier, j'en ai là qui parlait de la justice, bien entendu, qui quand même revient dans la Supreme Court. Et bien que le président est voulu à travers l'avocat, vous dit que lui-même, il n'est pas focus sur le impeachment, ça va intéresser, c'est job, il voulait le comme président, il s'est fait. Il n'est pas répondre, il n'est pas voulu document, il n'est pas personne mon autorisation. Malgré parole, ça, donnez-vous montrer que Donald Trump était focus sur cause impeachment. Bah, ça a préoccupé, il n'est pas presque guettant du tout. Il a pris plusieurs monde et notamment, il fait comprendre que, tenez bien, l'irrelé Mitch McConnell à peu près 3 fois dans la journée. Et même comme on avait dit, 3 fois par jour, il relève justement pour la dire, parle avec M. Sénateur, il fait comprendre, il faut mettre en ligne. En fait, il dit, bon, nous parlons de démocratie, il même plus organisé, depuis que son bagage tout traité de lui, pour qu'il ne soit pas qu'à l'écrité de elle, même genre. Faut prêter la ligne parce que si on va faire ça, lui-même, il va l'attaquer. D'ailleurs, il dit, bon, les gens qui attaquent et pas oublier que, par exemple, là, on prend un montant comme Mitt Romney. Mitt Romney dit, effectivement, ça, Donald Trump va faire son bagage qui est grave, son bagage irresponsable. Tout de suite après, elle finit de faire déclaration ça. Mais Donald Trump prend Twitter pour dire que Mitch, en fait, il est blasé. Mitch dit, parce qu'il n'a pas le bon job pour secrétaire d'État. Après, ça me bat au lit. Et il parle, on est Mitch, tu es perdu l'élection. Si tu es populaire, qu'on sorte à président. Et il parlait de pour impeach Mitch Mac et il parlait Mitt Romney, il parlait pour impeach Mitt Romney, on nous connaît. Et pas rien procédure ça, pas qu'un impeach. Et en fait seulement pour mettre un sénateur dehors, c'est pour des tiers dans la chambre là t'a voté contre lui. OK, et mais ça le dit a pas rien sens. OK. Et en fait, bien entendu, Mark Comer était parlé avec quelques républicains pour mettre au courant de sa présidente dit. OK. Maintenant Trump lit justement a essayé et parler de série de sénateurs qu'elle pensait qui pas loyal. OK. Et il dit "Ma comme attention, m'a attaqué tout républicain qui a critiqué des bons républicains, depuis ça veut dire des bons sénateurs républicains, perdu j'ai crois en Dieu lui vient critiquer mais m'a attaqué. Ça le dit mais Basilio il va en fait puisque nous connaissons une certaine popularité dans la communauté républicaine, il va parler pour dire que moun sa nous pas besoin voter, moun sa pas pour nous, ça le fait comprendre. Et mais avant dit bien ma comment gen déjà problème parce que comprendre bien ou al gon élection là et puis fort là d'ailleurs c'est les républicains majorité c'est les républicains qui va gagner pour aller à l'élection encore alors dit son alors que son petit quantité tout suite au niveau de démocrate pour parler. Donc, plus fort, c'est des sénateurs républicains qui parlent dans l'élection. Nous, on connaît si y a qu'un béchèze bourré. En fait, plusieurs hypothèses pour taper 10 majorités. Son bagage que Mark Comer a géré, qu'on a le bon président, qui a balle pression pour le dire, fait tout le monde mettre en ligne.
Et Donald Trump, ça a demandé cette totale loyauté. On loyauté totale. On loyauté servile. On t'a dit esclave même. On n'était pas à l'école. On n'a pas le droit pour réfléchir. Il n'a pas le droit pour raisonner. C'est un juste marché derrière. Okay? Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile. D'ailleurs, nous, bien d'où, nous voyons que les gens ont critiqué Mitt Romney, qui lui-même, qui prend l'indépendance, il dit lui-même, ça, monsieur, fait à son mari plus grave. Maintenant, ça, vous me comprenez, non, poser ça, c'est que Donald Trump, dans la bataille, ça, lui, vraiment, pas qu'à faire rien. Ça, qu'il a caché, c'est que, lui, pas focus sur rien. Lui, il a peur bleue de causer un impeachment. Monsieur dit à clair, suivant certains conseillers, c'est que, même lorsque les démocrates ont voté pour lui, il a un problème, et ça va le salir, il sa legacy. Et dire, va le dire, il a un pitch, li, bien entendu. Donc, sans doute, c'est toujours problème pour lui, d'après Donald Trump. Et d'ailleurs, ça va l'affecter toute perception de l'élection, le fait qu'il y a un pitch. Li. Et données statistiques qui ont montré que chaque jour, plus, il y a plus de monde aux États-Unis qui croient qu'il faut mettre monsieur à tête. Donc, toutes données, ça a montré qui ça. Ils ont montré que, contrairement à ce que le monde pensait, Donald Trump, pourquoi finir une garantie à 100% que tout sénateur qui l'a joint, les vont père bleu, est-ce qu'il n'est pas grimpé? Est-ce qu'il n'est pas blagué dans la route? Est-ce qu'il n'est pas ballon court en bas pour aller voter contre lui et lui blaguer la tête? Ils sont gros tests pour le passer là. Bien entendu, lorsque les démocrates ont fini de voter, pas bien que les démocrates ont une phase d'investigation, bien qu'ils aient cherché bloqué, Donald Trump a cherché bloqué l'investigation parce qu'il n'a pas de document. Mais très tellement, c'est un dossier qui va arriver à la justice. Donc, c'est un dossier qui a continué et que nous autres, et tout dernier déroulement, ça que nous là justement pour nous porter justement précision pour nous. L'autre bagarre de connaître, c'est que Donald Trump est prend un avocat en plus dans l'été. C'est pas ça pour dire qu'il y aura un compte qui a manqué. Il y a un conseiller Donald Trump qui connaît, M. Giuliani, M. toujours parlé dans la télévision, il dit Giuliani, il est casé, il a casé, il a ouvert bouche, il a ouvert bouche, il dit ça. Nous avons besoin d'autres monde qui pourra parler dans les médias parce que là, M. parlé, il fait plus dommage, il fait plus de bien que de mal. Donc, Donald Trump décide de prendre un ancien député qui est très bon, qui qu'on a travaillé dans Fox News. Monsieur dit, il pourrait entrer monsieur dans team, dans l'équipe pour avocat qui pourra le défendre. Et tout de suite, Fox News prend une nouvelle ça, comme bien, en d'autres termes, il a coupé contrat, monsieur, parce que normalement, pas qu'à avocat président et puis pour contributeur dans Fox News. Il est vraiment contraire aux normes de l'éthique, aux normes d'esprit d'indépendance. Donc, ça vient faire que. Eh bien, l'équipe avocat, monsieur, a demandé renfort parce qu'ils comprennent que la bataille là, d'un moment, ils ont besoin de tout le monde et qui peut venir de faire combat ça et qui a fait avec les républicains, qui a fait avec les démocrates, bien entendu. Nous pouvons update ça pour remonter tout le bagage qui tombait sous causé destitution de Donald Trump et un dossier n'a pas pour n'a pas porté. Portez-nous bien.